Alors, nous sommes dans le fameux petit café qui se trouve à Hérissy. Hérissy, donc la Brosse, hein, c'est la partie village d'Hérissy. Et vous êtes ici dans la salle principale du petit café. C'est pour ça que je me bats, pour pouvoir vous accueillir pour vos petits déjeuners, pour vos déjeuners et puis des soirées entre amis. Suivez-moi, je vais vous montrer l'ensemble de ce petit café. Alors, vous avez ici donc apparemment une ancienne boutique qui est dépendante aussi du café. Ça va être réagencé et il y aura une expo permanente d'artistes. Si vous voulez me suivre, on continue la visite. Ici, c'est la cuisine qui est une cuisine très familiale qu'il faudra évidemment forcément transformer puisqu'il y a des lois qui nous obligent à avoir certaines normes. Ici, vous aurez un salon plus privatif qui sera destiné aux événements familiaux. Voilà, ce sera le cocon pour des gens qui ont besoin de se retrouver vraiment en famille. Donc ici, c'est la grande salle qui sera destinée au concert. La cloison qui est là partira, donc la salle va être beaucoup plus grande. Et vous aurez une scène qui sera en fond de cette salle. Et derrière, il y a un petit salon d'été, un salon extérieur et privé. Nous sommes à l'arrière de la scène, de la future scène, et c'est une terrasse d'été. Je ne sais pas encore si je vais la couvrir, pas la couvrir, je ne sais pas. Là, nous avons... Bon, pour l'instant, nous avons cette bâtisse qui est fermée encore, mais pour laquelle j'ai des projets. Je pensais à des premières scènes théâtrales, des gosses qui ont besoin de se lancer parce qu'ils ont plein de choses à dire et plein de talents. Donc si ça peut être l'occasion pour eux de se lancer, d'oser se lancer dans le one-man show par exemple, voilà, j'en serais ravie. Et si ça reste des simples succès d'estime, au moins ils auront eu ça dans leur vie et je suis très 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 contente de leur offrir ça. Voilà, alors pour conclure, je tenais à vous remercier de toute l'aide que vous m'apportez, que vous allez encore m'apporter, parce qu'on n'est pas arrivé au bout. Et surtout, voilà, je n'ai jamais su demander quoi que ce soit, mais là pour une fois je vais faire exception à la règle. Essayez de faire vite maintenant parce qu'il faut vraiment que ça aille très très vite et je vous promets que ça va être une très très belle aventure. Voilà.